C'est la saison des amours depuis 2014 pour le couple Miranda Kerr et Evan Spiegel. Les époux, mariés depuis 2017, s'étaient rencontrés à l'occasion d'un dîner organisé par la maison Vuitton, puis fiancés en 2016 avant de se passer la bague au doigt l'année suivante. La mannequin avait ensuite donné naissance en mai 2018 à leur premier fils, prénommé Art. Un an plus tard, en octobre 2019, c'était au tour de Miles, leur deuxième garçon, de voir le jour. Une famille déjà bien remplie, qui comprend également Flynn, le fils que la businesswoman a eu avec son ex Orlando Bloom en 2011, et qu'elle a annoncé encore grandissante, Miranda Kerr est enceinte de son quatrième enfant. C'est dans sa story Snapchat du 1er septembre, vêtue d'un jean et d'un crop top, que la star mariée au créateur du réseau social en question a dévoilé son ventre rond, se disant très excitée d'annoncer bébé numéro 4. L'ancienne mannequin de 40 ans s'est ensuite empressée de préciser, dans une autre publication, « c'est un garçon ». Vrai baillement comme elle se qualifie, Miranda Kerr attend donc son quatrième garçon, sans une fille à l'horizon. Son ex Orlando Bloom, a lui eu une petite Daisy avec Katy Perry en 2020. Si leur divorce a été prononcé en 2013, la mannequin est toujours très proche de son ex et de sa fiancée, formant une famille recomposée unie. Un duo complice malgré la séparation alors qu'ils s'étaient mariés en 2010, le couple formé par Miranda Kerr et l'acteur du Seigneur des Anneaux avait battu de l'aile 3 ans après leur union, jusqu'à leur divorce. Mais malgré cette séparation, le duo est resté complice. En effet, Orlando Bloom ne manque pas une occasion de complimenter son ex-femme, en 2016, pour le mariage de l'ancienne mannequin au milliardaire créateur de Snapchat, il l'avait félicité. Reblotte en avril 2017, quand pour son anniversaire, il partageait un chaleureux message à l'attention de la mère de son fils. De son côté, Miranda Kerr avait confié à la presse américaine qu'ils se parlaient tous les jours, « c'est un père génial, j'ai vraiment beaucoup de chance ». Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Zuma Presse.